Bonsoir à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Keep Out. On va essayer de pas se prendre un jumpscare des... I'm so sorry. Donc du coup, nous sommes arrivés jusqu'ici. Si vous n'avez pas vu, et il y a de fortes chances que vous n'avez pas vu les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller cliquer dans le lien de la description pour voir l'épisode 1 et l'épisode 2. Comme ça, vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Les épisodes sont pas très longs en plus, donc du coup, ça va aller. Nous sommes donc ce petit jouet. Le jeu ressemble même beaucoup à Little Nightmares, comme vous avez pu le remarquer. Et les graphismes sont somptueux. Et il y a des gros jumpscares cachés à l'intérieur qui essayent de nous faire peur. Voilà. Et on essaie de comprendre aussi le scénario au fur et à mesure. Et pour le coup, je crois que nous sommes dans un monde futuristique où les jouets, ils ont découvert que les jouets étaient vivants et probablement en fait essaient d'utiliser leur pouvoir ou une connerie du genre, je ne sais pas trop. On va voir par rapport à la fin, parce que je pense qu'on finira le jeu ce soir. Je ne suis pas sûr, mais il y a des fortes chances qu'on y arrive. Comme vous pouvez le voir, les poissons sont tous dans le même sens. Genre les poissons sont en mode, on est des zombies nous aussi. Vous pensez qu'il va se retourner et essayer de m'attraper? Nah, tout va bien. Je sais pas pourquoi ils ont tous des impairs jaunes en plus. Genre ça ressemble un petit peu à des tenues hazmat, vous savez, les tenues spéciales anti-radiation, anti-contaminement, etc. Donc il y a ce petit côté virus qui s'est... Oh, il y a du ray tracing. Enfin, je sais pas si c'est du ray tracing, mais il y a du reflet, c'est trop beau. En vrai, les graphismes sont super beaux. Ce que je disais en fait dans les épisodes précédents, c'est que graphiquement, le jeu est magnifique. Le seul souci que j'ai avec lui, c'est au niveau des animations du petit bonhomme qui est un petit peu rigide. Mais en vrai, franchement, tout le reste, ça va, ça passe. Ça se laisse découvrir. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer d'autres jeux du même style, hein, comme Little Nightmare, Limbo Inside et de ce style, parce que moi, j'aime énormément et il y a peut-être certains que je n'ai jamais vus. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça aiderait énormément en fait, genre juste pour découvrir des nouveaux jeux, etc. ensemble. Ça peut être sympa. Je pense que j'ai besoin d'une boule à récupérer. Ah, il y a des petits bonhommes comme moi là-haut là. Bon, alors je vais plonger dans l'eau. Allons voir. Ou pas en vrai. Ah, attendez. J'avais pas vu la corde. Ah, j'entends un petit bonhomme. Oh non, il est juste là. Ok, je vais devoir ouvrir la porte pour lui. Oh. Oh oh oh, hop! Allez, viens petit bonhomme! Ha ha ha! Oh, il a pas aimé ça! Non mais, hey, vous avez vu? Je suis désormais l'excruciateur des petits bonhommes. Est-ce que je peux inventer ce mot? Est-ce qu'on peut valider ce mot et le mettre dans la langue française, s'il vous plaît? Merci bien. On va aller avec le petit bonhomme, notre petit double personnel, hein, avec imprimante 3D, tout ça, toi-même tu sais. On va sauter sur la plateforme et arriver de l'autre côté. Voilà. Le petit délire de petite maison carton. Oh, j'avais oublié les pièges dans ce jeu. Il faisait même pas de bruit celui-là en plus. C'est insensé. Insensé. Hop. Ah ouais, d'accord. En fait, il s'active uniquement quand tu t'approches à côté de lui. D'accord. Les autres pièges, en fait, sont automatiques. Celui-là, il est plus en mode... Ah, il est à côté de moi. Eh bien, il va crever. Hop, hop. Ah, j'ai réussi. C'est bon. Bah pourquoi je dois pousser cette caisse pour en faire genre ça, vous êtes sérieux? Hop. J'espère que je reviens pas en arrière, tu sais, genre en mode... Oh boy. Alors je suis à nouveau sous l'eau. Il y a beaucoup de petits bonhommes, comme vous pouvez le voir. Il y a les couleurs. Je suis à côté de l'aquarium où il y a justement les poissons qui regardent tout dans cette direction. Et il y a quelque chose au-dessus de moi. Il y a quelque chose au-dessus de moi, j'ai pas vu. J'ai vu un truc passer au-dessus de moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc vous voyez tous les petits bonhommes qui clignotent là. Ah, mais c'est un jouet en fait. Ah, c'est un jouet qui nage. Oh non, poisson. Non. Alors il faudrait que... Je me demande si j'arriverai à... Il va où lui? Ah, il va en haut. Oh. Et est-ce que je peux faire ça? Oh, je peux m'accrocher au petit plongeur. Et là, je lâche. Nice. Ah, oh, c'est cool. J'avais pas vu. Et c'est cool que j'ai pu voir au dernier moment, tu vois, la petite ficelle derrière pour m'accrocher.
En haut? Droite? Et je suis mort, c'est ça? Ah non. Mais et j'ai trouvé le bon chemin du premier coup. J'ai trouvé le bon chemin du premier coup. Eh, franchement, j'ai envie de dire GG là. Eh, ici c'est bio, c'est bio. C'est bio ici quand même. Non, c'est vrai, c'est beau. Oh, c'est une vraie tête par contre là. Wait a minute. Peut-être qu'il nous montre l'évolution en fait des robots. Robots qui deviennent des humains. Et les fameux humains qui me capturent depuis le début. Est-ce que. Regardez, il y a un robot caché derrière l'arbre. Pensez que l'humanité a évolué au. Salut. Non, je pense que. Enfin, est-ce que l'humanité a disparu et a été remplacée par les robots? Alors lui, il a l'air taré, lui, par contre. Je peux passer entre les pieds, là? Oui. Je pense que ça répond à ma question. Ah oui, mais effectivement, ils ont pas d'yeux, en fait. Donc, techniquement, si tu regardes bien, probablement que... Bah, c'est pas des humains, en fait, depuis le début. Si c'est comme la dernière fois, en fait, je dois juste... C'est pas possible. Le pied n'est pas en fait sur le même plan. Donc du coup pour moi je peux passer devant, vous savez. C'est n'importe quoi. Et regardez, je suis le petit jouet là, regardez dans la boîte. Ah, c'est ma boîte à moi, c'est la boîte de mon petit jouet. Ah mais attends une minute. C'est écrit Wanted même sur les boîtes de... qui représentent mon jouet. Est-ce que ce serait une sorte de jouet fait exprès pour être capturé par les autres? Ouais, j'ai appris à prendre le temps et à bien réfléchir avant de sauter, vous savez. Vous avez vu ça? C'est parce que... C'est bon, je suis passé. Et ça, c'est une sorte d'endroit de fabrication. Vous pouvez voir, ils sont fabriqués à la chaîne, ici. On finit par savoir le fin mot de l'histoire, hein, je vous assure. Hein. On finit par comprendre ce qui se passe, ici. Attends, les drones Amazon qui reviennent là. On va faire en sorte de ne pas se faire attraper. En même temps, s'ils voulaient pas qu'on passe, il fallait pas mettre d'échelle. Allez, on t'est bien baisé. Hein. Ils réfléchissent pas, les bêtes ici. Ils sont en mode on va te capturer et tout. Ouais, mais en vrai. En vrai de vrai. T'aurais juste bloqué le truc. On serait pas passé. Hein. Oh non, il y a les singes. Oh. J'espère que les singes vont pas venir me manger. Hein. C'est le. Franchement, c'est vraiment la pire. God damn it! T'es au moment où je le dis en plus, vous êtes sérieux? Okay. Je pense que je peux y avancer même quand il se retourne en fait. À partir du moment où j'ai la caisse, il peut pas venir. J'ai pas confiance donc du coup je vais faire ça là. Pire bestiole ever, ok. Faut arrêter, hein. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Je suis pas d'accord. Oula, ici c'est des robots. Regardez, il est pas content. Il est pas content. Il est pas content. Il est pas content. Il m'a défoncé. En fait, ça fait penser à iRobot là d'un coup. Regarde, il est en mode. Je vais te dévorer. J'ai été aspiré dans les trucs de poubelle là, non? Ah, le petit bonhomme, il s'en bat les couilles. Hein, tu vois, il est en mode. Attends, c'est moi ou il y a. Ok, j'ai cru qu'il y avait encore un... le pro. Parce que la première bestiole qui essaie de nous avoir, ça reste quand même le pigeon voyageur. Est-ce qu'on est d'accord que le petit truc devant nous, c'est nous, en fait? Ah ouais, c'est que des nous. C'est que des nous, c'est que des moi. Enfin, vous avez compris, quoi. Quoi, avant ça, c'est pas français? Eh. Hey. Mais c'est Ross, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? En vrai, ça me fait penser un petit peu à Toy Story 3. Je vais pas vous spoiler Toy Story 3, mais ça fait penser à Toy Story 3, quand même.
Oh, j'ai réussi à faire le méga saut. Je suis fier de moi, ok. Alors attention, on va prendre son élan. Et dès que je vois la carton arriver, je cours. Et... C'est bon. C'était dur, mais j'y suis arrivé. Ça fait vachement penser à Inside, là. Avec le... Oh mon dieu, le petit bonhomme. Oh bouillon. Oh bouillon. Non, on est mort ensemble. Oh là là, la décharge de cadavres de robots, là. Allez, c'est parti, mon kiki, on y croit. Alors, venez, hein, venez, un par un. Ah, ils sont pas venus un par un. Ils m'ont pas respecté. Allez, viens. Allez, il court, Adrien. C'est bon, je suis passé, je sais pas comment j'ai fait. Je sais vraiment pas comment j'ai réussi à ne pas me faire choper là. Alors que depuis tout à l'heure, je me fais choper un petit peu pour rien. On va pas se poser de questions, on va accepter les faits. Voilà. Alors ouais, il y a des moments où tu serres les fesses, hein, parce que les sauts sont un petit peu approximatifs. Hein. Et du coup, bah t'es pas sûr en fait de toi, t'es pas sûr de ce que tu fais. Oh boy, pigeon! C'est pas des pigeons, je m'en fous, c'est des pigeons pour moi, ok? Cours! Pareil, pardon, je vais par des... Oh bordel, mais c'est... Ça c'est horrible! Oh là 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 là! Non, je suis pas d'accord, regardez les mains! Ah. Leave me alone. Je me fais bouler par des mains maintenant. En fait, le jeu, c'est tu fais bouler par tous qui sont dans le jeu, ok? Et tu t'énerves. C'est ma vie maintenant, c'est mon futur. Je suis passé. Oh non, il y a les pics. Ah non, non. J'ai pas envie de mourir là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi vivre. Je suis mort trop de fois sur ce passage. J'ai dû réussir. J'ai perdu littéralement 3 heures, ok. Non, peut-être pas autant. Mais bon, presque, ok. C'est tout comme. Mais je dois aller où? Ah, je l'ai sauté sur la main peut-être. Mais c'est pas possible, il prend 20 ans pour se lever, il est sérieux? Oh bah regardez, c'est... C'est la tristesse, hein. C'est la tristitude de l'histoire, hein. Ah, je vais m'en souvenir longtemps de ce jeu, hein. Ah, je vais m'en souvenir très longtemps. Ah, je suis passé. Oh, regardez, j'y suis. Bah je sais pas où je suis mais j'y suis.
Mec. Ah. Ok. Si, j'ai compris. Si, j'ai compris. Mon petit bonhomme, il s'est fait scanner. Il a pris la place. Et il a pris la place d'espèce d'IA qui contrôlait les robots. Du coup, l'armée de petits robots s'est soulevée, du coup. C'est ça? On va sauver le monde? On va le mettre à notre image? C'est soit l'un, soit l'autre, hein. Je sais pas, c'est au choix. Mon Dieu! OMG! Oh mon Dieu! C'est quoi cette fin? Ok, je valide la fin. Ok. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en tout cas, c'était inattendu et j'aime beaucoup ce qui s'est passé. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, si vous avez kiffé découvrir ce jeu en ma compagnie, de me le dire dans les commentaires et en laissant le plus beau magnifique pouce bleu. Rendez-vous sur la vidéo qui va s'afficher à ma gauche ou alors cliquez sur les différentes chaînes que vous allez pouvoir voir pour voir d'autres contenus différents, hein, entre Seros Short, Seros VOD et ou bien ma chaîne principale. Ouais, voilà, il y en a beaucoup, mais c'est pour le plaisir, n'est-ce pas? Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo dès que vous avez cliqué là-dessus. Cliquez, please. C'est gênant, hein. Merci.